Fallait le dire. Oui, ça m'a échappé. Carte d'identité, permis de visite. Carte d'identité, permis de visite. Ah, c'est toi? Oui, tu as vu? J'ai pu venir. Alors, comment tu vas? Ça va, enfin, je tourne en rond. Je travaille 3 heures par jour. Tu fais quoi? Regarde mes mains. Je repasse, je plie, je fais des cils. Blanchisserie, quoi. Toi, au ménage? Fin du parloir. Tu me manques, papa. Ah, moi aussi, tu me manques. Tu as eu tes notes? Pas beaucoup. On est en début d'année. Mais je m'accroche, papa. Tu vas voir ta grand-mère, elle va bien? Pas trop. Elle est de plus en plus malade en ce moment. Fin du parloir! Bon, ben, j'y vais. Pour ta grand-mère, va la voir plus souvent, ça lui fera plaisir. T'occupe pas de moi, ça a plus d'importance. Oui, papa. Personne qu'on vient de me voir. Tais-toi, arrête d'hurler, un peu de dignité, bon sang. À l'extérieur. Thank you.
J'espère que vous aurez une remise de peine et que vous tenez bon. Dehors, le temps est froid et sec. L'hiver arrive un peu trop vite. Mais je tricote un peu pour me détendre. Depuis la mort de mon mari, j'ai du temps. Si vous le souhaitez, je viendrai vous rendre visite. Je vous tricote des goûts. Amicalement, Simon. Mon vieux coquin, tiens le coup. La vie dehors t'attend. En plus, t'as de la chance. Ta femme t'attend. J'ai été la voir. Ça va bien. Tu parles. Elle a trouvé un boulot dans un centre équestre. Et ses collègues sont sympas. J'ai été la voir. Elle va bien. Je lui ai demandé de voir s'il n'y avait pas une place pour moi. Mais j'ai pas insisté beaucoup. Vu qu'elle est nouvelle, je sais qu'elle ne peut rien pour moi. Le boulot à l'extérieur, c'est pas facile. Déjà, pour les gens qui sont clean, c'est pas facile. Mais alors pour moi. 3 ans de tôle, c'est pas facile à cacher. J'ai trouvé un boulot dans un centre équestre. Mais c'était juste pour l'été. Le cheval, c'est magique. Cet animal est si majestueux. Je suis allée à Pôle emploi. Je veux faire une formation. Je veux continuer de travailler avec les chevaux. C'est mon projet parce que niveau femme, c'est pas terrible. Et ça, c'est une autre histoire. Bisous, je suis Lascar. Didier. Julie, il neige, il fait froid. Tu sais que la voisine a oublié de rentrer ses géraniums, comme tous les ans. D'ailleurs, triste nouvelle, son gros chat, Tracteur, est mort. Il devait bien avoir 18 ans, ce gros matou. C'est pour ça que moi, je n'ai jamais voulu de chat. Ça miaule, et en plus, ça meurt toujours avant nous. J'ai croisé Lise dans ma ville. Elle a grossi, c'est incroyable. Tu te souviens? C'était la fille à qui tout réussissait. Elle avait l'air fatiguée. Je crois qu'elle ne m'a même pas reconnue. Je me demande bien ce qui a bien pu arriver. À toi aussi, je me demande bien ce qui a pu t'arriver. Tu devais bien amoureuse pour t'associer à une histoire pareille. Quand tu étais petite, je t'imaginais chanteuse, danseuse, comédienne. Tu as toujours l'âme d'une artiste. Tu étais si belle quand tu dansais dans le salon avec ta robe en tulle. Je ne te fais pas de reproches. Tu vas t'énerver et me dire que je ne comprends rien. Je t'embrasserai par ma chérie. Ma rentrée en 6e s'est bien passée. Mes profs sont sympas, mais je ne leur ai pas dit que tu étais en prison. C'est pas que j'ai honte, mais je n'aime pas comment les adultes réagissent. Je vais être normale, pas me faire remarquer. À Noël, maman a craqué. Je vais avoir un chat. Je ne sais pas encore comment l'appeler. Est-ce que l'on peut donner un nom à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Pourquoi je m'appelle Hugo? J'ai des bonnes notes, sauf en musique. C'est difficile de prendre les notes. Tu sais, papa, tu nous écris moins souvent. Je m'inquiète pour toi. J'espère que tu t'es fait des copains et que tu peux continuer à jouer aux échecs dans ta prison. Regarde dans la deuxième enveloppe. Je t'ai fabriqué un échiquier en papier avec toutes les pièces. Tu me manques, papa. Je t'écris bientôt une autre lettre. Hugo. P.S. Si tu as des animaux, tiens, Noël, c'est pas de moi. Salut, tonton. J'espère que tu vas bien. Le prof d'histoire m'a encore puni parce qu'il disait je bavardais, alors je répondais à sa question. Mais bon, je me suis pas énervée, ça valait pas le coup. Mais qu'est-ce qu'il est dur, ce prof! Maman dit qu'elle ne va pas bien et qu'elle est fatiguée, que papa n'allait pas dans la maison. Mais bon, tu as vu maintenant comment je dessine trop bien? C'est moi qui ai dessiné ce cerf derrière l'enveloppe. Tu me manques, tonton, j'ai envie de retourner à la chasse avec toi. Salut.
Salut Frangin, je suis vraiment embêtée que tu nous as fait boucler. J'ai réparé ma Mustang. Bon, tu sors dans 6 mois. Tu pourras l'essayer. J'essaierai de ne pas la casser cette fois. Les parents vont plutôt bien, ils ne parlent pas trop de toi. Maman a dit à ses voisines que tu étais partie bosser sur Paris. La mère, elle croit que personne n'est au courant. Mais bon, je ne dis rien. Elle y est pour rien à l'époque. Elle est toujours fan de Claude François. Bref, la vie continue. Prends soin de ta petite tête, Philippe. Mon cher petit-fils, je t'écris cette lettre en espérant que tu vas mieux. Ta mère m'a dit que tu t'étais blessé à la jambe. Se casser une jambe en prison, c'est vraiment pas de chance. Je t'avoue que nous, ça ne va pas très bien non plus. On ne se fait même pas l'idée que tu sois loin de la maison. Tu sais, papy perd un peu la tête. Avant-hier, il est parti. Il n'est pas revenu tout de suite. On l'a cherché partout. Même les gendarmes s'y sont mis. En fait, il s'était endormi dans un champ de maïs. J'ai peur qu'il m'oublie. En tout cas, je pense à toi. Je ne t'oublie pas. Mamie. Salut Francis. J'aurais bien aimé te parler, mais en ce moment, je n'ai pas d'argent pour venir te voir. Le prix d'un plein, ce n'est pas croyable. Je mets 90 euros pour faire plein de ma bagnole. En plus, je dois payer la maison de retraite de mamie. Je passerai te voir si j'arrive à économiser. Pour ça, faut que j'arrête de fumer. Un paquet de clopes, c'est 7 euros, presque 50 balles. Tu te rappelles, quand nous avons commencé à fumer tous les deux derrière l'arrêt de bus de la mairie, on était bêtes. Toi, t'as réussi à arrêter, pas moi. Je suis trop stressée. Puis Valérie veut des gosses. Moi, je sais pas. Je serai pas à mon père. Bref, je vous rappelle. Ciao. Vous, je ne sais pas comment vous appelez. Je ne peux pas prononcer votre nom sans pleurer. Vous avez détruit ma vie. Je suis vide maintenant. J'espère que vous souffrez comme moi je suis. Vous savez, en prison est une vague consolation en comparaison de ce que j'ai vécu. Ma psy voudrait que je pardonne pour pouvoir recommencer à vivre. Mais je n'arrive pas. Je suis dans un cadisme vivant, mais je suis morte à l'intérieur, souffrir. Maman, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien, papa aussi. Papa m'a acheté la PS4. J'y joue souvent. Bon, j'espère que pour toi, c'est fini, Cambrin. Si tu continues tes trafics en sortant, nous serons très tristes. Tu me manques beaucoup, maman. Je me souviens des matins où tu me réveillais pour aller à l'école. Jamais tu n'allumais la lumière directement. Des câlins et des baisers sur le front. Tout ça me manque, maman. Yann a eu son code, mais il n'est pas prêt d'avoir une voiture, même s'il travaille à la boulangerie le dimanche. Bon, je te laisse. Nous irons te voir dans 3 mois pendant les vacances de Pâques. Papa a loué une maison à 10 km de la prison. Bisous, Hugo. Je t'écris pour pas que tu m'oublies d'envoyer une carte postale à Lola. Son anniversaire, c'est dans une semaine. Tu sais, elle a grandi maintenant. C'est important pour elle. Elle a même invité des amis pour son anniversaire. Je ne sais pas si tout le monde va loger dans l'appartement, mais j'ai envie de lui faire plaisir. Je voulais demander.
demander de l'aide à ta mère, mais je préfère que tu en parles. Toi, elle ne te refuse rien. Même en prison, tu es toujours son idole. Je suis en colère contre toi. Il y a plein de rumeurs qui courent sur son compte. J'essaie de ne pas y croire, mais certains détails sont si précis. De toute façon, je sais que tu ne me diras jamais la vérité. Tu as toujours vécu dans le mensonge. Bref, maintenant, n'oublie pas l'anniversaire de Lola. Cher Daniel, j'ai appris que tu étais en prison. C'est Sylvain qui me l'a appris. Quel choc! Un mec comme toi a fidèle en amitié. Je n'ai pas compris. Je croyais que la prison c'était pour les durs, les vrais méchants, mais pas pour toi. Je me souviens de la collecte que tu avais fait pour que Sylvain parte avec nous en classe neige. Tu étais un très bon délégué, toujours prêt à nous aider. Donc, c'est étrange, Daniel. Dans quelle histoire t'as bien pu te fourrer? Tout ça pour une fille? Tu as oublié tous nos grands principes? J'imagine que ça ne doit pas être facile pour toi en cabane. Si jamais tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter. Tiens bon, Philippe. Rien, comme averti, rien, rien ou presque.
Un rouleau de PQ, une serviette blanche, une photo floue, comme un parasite. Rien. Rien, ou presque. Une connerie, juste en être poignant, une fille canon, comme un gamin. Rien. Rien, ou presque. Ici, tout est ligne, pas de poignée, pas de couleur. Ici, tout est colère, pas de fenêtre, pas de dignité. Je tourne en rond, c'est une image, je n'ai pas la place, tout est carré ici. Je me suis habituée à chier devant les autres. Ils me guettent, ils m'auscultent, je n'ai plus rien. Juste un nœud dans mon cœur, juste une photo floue, juste un lit. Je n'ai même plus de remords, ils m'ont transformé en bête. Un fil au-dessus de ma tête, des escaliers, je suis enfermée. Par où je pourrais m'évader? J'ai une barre dans ma tête, les couloirs on dirait que c'est l'infini, la solitude moisie en moi. Pour moi, aucun espoir de s'en sortir. Je pourrais essayer de monter sur la barrière, mais évidemment, j'ai le vertige dans cette obscurité, sans couleur, où tout est grisâtre, reste ces murs de béton pour graver ton prénom. Ma mère est là derrière une de ces trois portes en bois. Un énorme verrou, le temps loin d'elle me semble infini. Je me sens aveugle dans mon endo, car c'est partout la même chose. Des portes, des bruits de clés, des hurlements, je suis née en prison. Je suis de ces parasites dont on parle à l'antenne. Moralité, la sécurité des lieux n'est pas certaine. Je crame, je brûle, je hurle, je gueule, je crème en pire en prendre, ou même t'es en plus seul. J'ai un rôle colossal à la cave et au sous-sol. Je vois une cellule sale. Et moi, qui me voit? Je vois des moisissures sur les coins des murs et au plafond. Et moi, je suis pourri. Je vois de la rouille dégouliner sur le long des lavabos. Et moi, je suis rouillé. Je vois des toilettes. Et moi, je ne suis qu'un déchet. Je recherche l'étincelle, mais j'ai paumé ma boussole. Alors je vois, je fume, je noie ma flemme. Je crois aux flammes, j'acclame la haine. Mes larmes et mes peines n'impressionnent personne. Et on me traite les hyènes sur toutes les fondertiennes. J'ai le cafard dans cette cellule. Angoissé par ma colère, je grave un prénom maudit par ma mère, par ma femme, par ma fille. Mais au moins, ici, je suis en sécurité. Il n'y a plus d'amour. Par la fenêtre, je vois l'horizon. J'ai envie de créer, peindre, dessiner, écrire, raconter. Parce que j'ai trouvé un moyen de m'évader quand je veux. Quand un mec passe avec son chariot, je choisis un livre et je lis. On se moque de ce thème et de mes états d'âme. Tout m'ordonne en fait de ne pas vivre à l'état d'homme. Et moi, comme un homme, l'individu pas de gamme. Qu'on me dégomme sur le macadam serait le minimum. Je m'en souviens. Je me sentais seule, angoissée, en colère. J'avais envie d'hurler et j'avais mal. Je me suis embarquée dans une sale histoire. Au départ, c'était une trace sur sa veste. Juste un rayon de soleil qui a mis l'autre en lumière. Ensuite, j'ai fouillé, j'ai cherché et je l'ai suivi. Une femme, un grillage, je suis rentrée. J'ai mis du poison dans son café. Il ne s'est jamais réveillé. Je suis là. Je n'arrive plus à dormir. Tout ça, ça ne devait pas être de l'amour. Je sais, je traîne, je sens, je traîne, inutile d'en rajouter. J'ai déjà touché ma peine, ma tête, mêlée, ma peau, les peines, inutile d'en rajouter. J'ai déjà touché ma peine, la âme, les dents, le sang, mes peines, inutile d'en rajouter. J'ai déjà touché ma peine, j'habite au loin, en zone urbaine, inutile d'en rajouter. J'ai déjà touché ma peine. Encore des barbelés pour protéger les autres de nous. Ah ouais, on est dangereux, nous pauvres bagnards. Les barbelés, c'est même interdit pour les bêtes. Mais nous n'avons pas le droit de les approcher. Et toi aussi, je ne peux plus t'approcher.
J'espère que dehors d'autres se battent pour le droit. Ma tête mêlée, ma peau est belle, une gigante.